gens comme la plupart sont embarqués par toute la féerie de ce monde, en fait. On est pris par, hypnotisé, je dirais, par tout ce qui se présente à nous. Tout ce que le monde nous présente, ça nous hypnotise. Et on veut encore plus être hypnotisé. On cherche à être hypnotisé. On cherche, si tu veux, la féerie de la vie que le monde propose. Et toute cette féerie, en fait, c'est quelque chose que tu rêves et le monde te le donne. Et il te le fait pour que tu puisses rêver encore plus. Alors nous sommes perpétuellement dans la demande pour pouvoir rêver encore d'une belle vie. Et toute la vie qu'on veut, ce n'est pas celle qu'on a, c'est celle qui est idéalisée par soi-même. Et on poursuit ça. Et nous sommes tous tombés dans le panneau. En fait, on n'est pas vrai avec soi-même. On est en train de chercher une solution à notre malaise, en fait. Et ce malaise est là, latent, dans ce monde. On voit beaucoup de rivalité parce que tout le monde est en quête de quelque chose, d'un certain plaisir, pour lui donner du répit à sa condition d'être. Et dans ces cas, on est tous acharnés à se faire valoir dans le fait qu'on puisse aussi posséder la chose qui nous donne du plaisir. Et c'est quoi cette chose qui nous donne du plaisir? Eh bien, c'est ce que le monde offre. C'est toutes les gadgets, tout l'amusement qui existe dans ce monde. Et plus tu es capable d'aller prendre ces amusements, eh bien, plus on va te considérer aussi dans ce monde. On va dire, ah, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a réussi. Et donc, on fait en sorte que nous puissions accéder à toutes ces choses. Donc, et le moyen pour y accéder, eh bien, c'est comment ce monde te prépare pour pouvoir avoir ces choses-là. Il te prépare à l'école, il te dit... il faut vraiment bien être éduqué pour pouvoir faire des choses dans la société. Et quand tu as fait ces choses dans la société, pour pouvoir faire marcher cette société, eh ben, le résultat, c'est une récompense. C'est-à-dire que tu pourras avoir les choses que ce monde peut donner. Donc tu as la voiture, tu as les belles choses, tout ça qui te fait rêver, en fait. Mais au bout d'un moment, tu vois bien que ton rêve n'est qu'un rêve. Il n'est pas plus qu'un rêve. Et tu te retrouves devant ton rêve, vide encore, avec un besoin d'être joyeux, mais qui n'est pas là. Il est toujours... dans l'insatisfaction. Et cette insatisfaction, à mon avis, est latente dans notre société. Beaucoup de gens sentent cette insatisfaction, cette envie de plus, d'authenticité, de sens à la vie. Et pourtant, au même moment de ça, et on est quand même happé par tout ce que propose le monde. Donc il y a un paradoxe où toi, tu veux quelque chose d'autre, mais en même temps, tu espères que le monde te le donnera. Alors que tu sais très bien, mais
C'est comme un paradoxe. Donc tu poursuis quand même ce qui te donne du plaisir en attendant. Et en attendant, tu espères que le rêve se réalisera. Mais en fait, tu vois, le rêve que tu as et le monde que tu as construit, ce monde est notre rêve en fait. Nous avons rêvé de quelque chose et nous l'avons fait. Et ce que nous avons fait existe, c'est ça, c'est ce monde. Et ce monde existe avec tous les éléments qu'on lui a donnés pour le faire exister. C'est-à-dire nos désirs les plus profonds, nos envies les plus grandioses, nos idées les plus folles, et aussi nos peurs de ne pas avoir, nos peurs d'être dans l'attente. Donc tout ce monde ressemble à ça. Et quand tu vas vouloir avoir quelque chose de ce monde, tu vas en fait retrouver tes propres désirs. C'est ce que tu t'es posé sur la table pour pouvoir en jouir. Mais ce monde n'est qu'une illusion de ce que tu as pu inventer. Et tu ne le vois pas comme ça. Tu le vois comme si c'était une réalité, puisque avec tes yeux, tu regardes et tu vois que c'est là depuis toujours. Et tu dis que tu ne peux rien faire, parce que c'est là depuis toujours. Mais c'est là depuis toujours, oui. Mais c'est toi qui perpétues aussi ce toujours qui aura demain. Et tes enfants te diront que c'est toujours là. Pourquoi c'est toujours là? Parce que quelqu'un les a perpétués. Quelqu'un comme toi, qui a voulu aussi en jouir. Et donc on a fait exister toute cette société, tout ce monde de plaisir, de distraction à l'esprit qui est dans le mal-être. Et tout ça, à la fin de tout ça, en fait, on a fabriqué un monde où tout le monde court pour attraper ce qu'il aimerait avoir. Et en faisant ça, ben, on crée les rangs sociaux, on crée la guerre, on crée la disparité dans les ethnies, les pays. Parce que c'est ainsi que va nos désirs. Notre désir, il est en train de bouffer, en fait, la beauté qui existe naturellement. Donc on est aveuglé par le désir de nos envies pour pouvoir être bien, et ce désir détruit la beauté de l'union, d'être ensemble, puisque nous sommes en conflit. Ce désir détruit les moments présents que tu pourrais avoir, mais que tu n'as pas, puisque tu es en train d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Donc tu es toujours à la poursuite de quelque chose. Mais en fait, tu vois, tout ce désir que l'on a, c'est ni plus ni moins nos peurs qui nous les font demande, qui est en demande en fait, en demande de quelque chose qui pourra nous égayer. C'est parce que il y a ce refus d'accepter que ce que tu es en fait ne pourra pas être accepté dans ce monde comme tu es. Et que toi, tu dois regarder en face pour pouvoir accepter ce que tu es. Et ce que tu es n'a rien à voir avec la demande de ton être qui désire. Parce que celui qui désire est tout à fait autre chose. C'est pour ça que aujourd'hui dans le monde,
toute cette activité, elle est, je dirais, elle est en bascule timide, mais elle est en bascule parce que beaucoup de gens réfléchissent et ils se disent vraiment, d'ailleurs, avec tous les événements qu'il y a eu, dans le coronavirus, les gilets jaunes, tous ces entités de la planète, tous ces événements qui ont surgi, nous a tous fait réfléchir, nous a tous fait poser des questions. Mais les questions peuvent rester en question et ne peuvent jamais être dans l'action d'une découverte. Et c'est ça qu'il s'agit de ça, de découvrir une action à la question que tu te poses. Comment tu vas réagir à tout ça? Comment tu vas réagir à tout l'événement qu'il y a eu, par exemple sur le coronavirus? Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as vu tout ça? Est-ce que tu as encore désiré des choses ou bien est-ce que tu as voulu te protéger parce que tes désirs étaient en train de s'effondrer? C'est là la question. Il faut voir où tu veux aller dans ta vie. Si tu veux être une créativité de l'union, où tous les gens puissent s'arrêter, se regarder et voir qu'ils sont en train de courir, soit tu crées ça, ou soit tu continues à perpétuer ce même monde. Et d'ailleurs, beaucoup le font. On va rebondir, on va remettre le marché en place, on va remettre tout ça comme on aimerait, comme il se doit, comme d'habitude. Donc le monde se perpétue comme d'habitude. Et très peu ont cette action en eux qui fait que il y a un changement. Et ce changement est capital. Et pour toi, et pour l'environnement dans lequel tu es, l'influence avec qui tu vas partager tout ça. Et c'est de ça que je parle. C'est que nous avons un monde qui doit aller dans une direction qui ne soit pas celle de la rivalité, celle où tout le monde court pour prendre du plaisir, pour capturer son bien-être. Ça, c'est obsolète maintenant. On passe dans une autre ère là. Est-ce que tu comprends qu'on passe dans une autre ère et que tu dois abandonner tout ça? Si tu veux pas abandonner, si tu résistes encore, c'est ok, c'est pas grave. Mais sache que tu résistes. Vois ta résistance. Et tu vas voir que toute cette résistance, elle n'en vaut pas la peine, parce que ce que tu vas prendre comme bien-être, ce sera éphémère. Essaye encore, tu verras. Ce sera ça, tout le temps, éphémère, éphémère. Et tu seras jamais satisfait. Donc, on arrive dans un moment de l'histoire où il y a beaucoup plus, de plus en plus de gens qui se posent cette question. Est-ce que le monde, c'est vraiment ce que nous voulons? Ou est-ce que nous avons fait quelque chose dans l'histoire de la race humaine qui n'est pas convenable pour nous, pour notre bonheur, pour notre unité, pour notre sérénité, pour notre joie d'être, pour notre joie d'être ensemble? Le monde en parle tous les jours. Il y a des débats politiques, des débats philosophiques, des débats de partout. Mais qui va faire l'action? Parce que débattre, c'est bien beau, mais l'action, quand est-ce qu'elle est faite? Et qui doit faire l'action? L'action ne viendra que de toi-même. Chacun d'entre nous est l'action du changement. Mais le changement ne viendra pas parce qu'on attend que quelqu'un fasse quelque chose. C'est impossible. Personne ne pourra te donner
ce que toi tu aimerais avoir. Il n'y a que toi qui peux mettre en place ce que tu aimerais pour toi, pour ta vie. Parce que si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Mais si tu sèmes du doute, de la peur, de l'angoisse, qu'est-ce que tu vas récolter? Eh bien, tu vas récolter la même chose. C'est pour ça que nous arrivons à un moment où il faut bien réfléchir comment nous allons faire le tournant de l'humanité. Parce que nous sommes dans un tournant extraordinaire, puisque nous avons attendu des années et des années et des années et des millénaires pour que ça arrive à nous les hommes, ce tournant. Ce tournant, cette bascule où nous devons faire la décision de comment nous allons faire notre futur. Comment nous allons construire la vie de nos enfants. La vie, tout simplement. La vie libre, belle, extraordinaire, sans heurts, sans rivalité, sans les rangs sociaux, sans la comparaison, sans l'humiliation, sans tout ça. Et là, nous sommes sur la verge de basculer dans cette nouvelle ère. Et il faut que chacun y participe pour que ça aille dans le bon sens. Et nous avons tous en nous cette envie, cet élan. Il y a cet élan. Mais est-ce que cet élan, il n'est pas brimé par tout un concept déjà réalisé dans nos têtes? C'est-à-dire tout ce désir qu'on nous a mis dans les pattes, tout ça. Il faut qu'on s'en débarrasse. Parce que ce n'est pas là que va la vie. La vie va ailleurs. La vie va dans un sens où tout ce que tu aimes va être enlevé de toi. Parce que ce que tu aimes n'est pas ce que la vie a donné. C'est ce que ton désir a donné. Et un désir, c'est quoi? C'est quelque chose que tu inventes pour pouvoir te réconforter devant ta misérable vie. Donc cette nouvelle démarche pour le monde ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi d'être authentique avec toi-même et ne plus créer en toi, en ton sein, cette dualité entre ce que tu aimerais et ce que tu as. Ce que tu as, il est essentiel de le regarder en face, de savoir que la vie c'est comme ça et non comme tu aimerais. Et quand tu acceptes cette vie, eh ben tu as l'intelligence aussi de mettre de l'ordre dedans. Mais si tu ne la veux pas parce qu'elle est en désordre, alors ce monde va se perpétuer ainsi. À toi de mettre de l'ordre en toi, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions, pour pouvoir créer quelque chose que tu as au plus profond de toi. Au plus profond de toi, la vie, elle est là. Elle ne demande qu'à sortir et qu'à être créatif. Mais est-ce que tu vois qu'est-ce qui t'empêche de la laisser être? Tu vois toutes les peurs, toutes les angoisses, tout le regard des autres qui t'en empêche. Parce que tout le monde est dans un troupeau de moutons et tous les moutons se disent les uns aux autres « Non, restons ensemble !» Il ne faut rien faire qui ne soit dérangeant. Donc tout le monde se conformise l'un et l'autre à rester dans cette façon de vivre. Et le monde a cette façon de vivre qui fait que nous avons perpétué ça. On dit, mes parents m'ont dit, les parents de mes parents
leur ont dit, et maintenant moi je le dis à ma descendance. Et nous répétons toujours la même société, les mêmes choses, les mêmes malheurs, les mêmes peines, les mêmes souffrances. Nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux. Et c'est là justement, aujourd'hui, il y a en chacun d'entre nous, si toi tu peux entendre ça, il y a en toi cette envie de quelque chose de neuf, quelque chose qui puisse être pour toi un moment où il n'y a rien d'autre que ce moment, sans que la pensée, sans que tes idées, sans que le monde vienne interférer cela. Parce que ce que tu es au fond de toi, c'est la pureté de la vie, elle est en toi. Et cette pureté, c'est celle-là qui veut se mettre en place pour que nous puissions être cette vie, être comme la vie. C'est-à-dire, la vie, si tu regardes la vie ne s'arrête jamais. Tu n'as jamais remarqué ça? La vie ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps neuve. Elle ne répète rien. Elle a des cycles, certes. Mais tout est neuf à chaque instant. Tout est émerveillant. Tu n'étais jamais émerveillé devant un beau papillon, un beau ciel bleu, la majesté d'une montagne. Cet émerveillement, c'est parce que tu vois que tout ça reflète une beauté. Et cette beauté, elle est déjà en toi. Tu es cette beauté, tu es cette vie, cet amour, cette joie. Et tout ce que la nature respire, parce que la nature, elle est là, c'est pas l'homme qui l'a fait. L'homme, il n'a pas fait ça. Il ne peut pas faire ça. L'homme n'a pas fait toutes ces belles choses. Ces animaux, ces papillons, elles sont là parce que ça vient d'un espace vide, créateur de tout, et qui a manifesté tout ça. Tu sais que la matière, elle est manifestée. La matière, c'est quoi? Ce sont des atomes qui s'agglutinent ensemble et qui fait la matière. Nous aussi, les hommes, on a pu faire de la matière des choses qui ressemblent à ce qu'on aime. On a pris de la matière et on a fait un vase, on a fait une chaise, on a fait une table, on a fait tout ça. Donc on est aussi par la pensée, parce que nous avons appris, nous sommes créateurs. Mais il y a une créativité là-dedans qui appartient à une mémoire. La mémoire nous fait nous rappeler comment les choses devraient être, comment on aimerait, et ça se fait par rapport à nos désirs. Mais tu vois, la vie, la nature, tout ce qui est beau, tout ce qui n'est pas de l'homme, ça n'a pas été fait dans un intérêt personnel. Ça a été fait dans un don total. La vie s'est donnée toute seule. Et en fait, ce que tu es toi, au fond de toi, c'est ça. Tu es ce don pour l'autre qui a besoin de savoir que tu n'as besoin de rien, que tu as juste donné gratuitement. Et s'il sait que tu n'as pas donné gratuitement, il va le prendre et il va être dépendant de toi. C'est ça notre problème.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien faire. On a besoin de fonctionner dans ce monde. Donc c'est bien de faire une chaise, de faire tout ça, de faire un verre pour pouvoir boire. Mais quand je dis tout ce faire qu'on a, on s'attache à tout ça et on oublie complètement que la nature et la vie en nous, elle est faite d'une autre manière. Elle est un don. Et on prend plus parti à l'intérêt que d'effacer cet intérêt pour pouvoir être aussi dans nos relations, cette vie. Parce que cette vie, elle est dans l'échange de nous-mêmes. Mais si dans l'échange de nous-mêmes, il y a l'intérêt de l'autre, eh bien cette vie, elle ne va pas circuler. Ce don qu'on est va rester enfoui, caché. Parce que il y a quelque chose qui a pris la place, qui s'est substitué à cette vie, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc libère-toi de tout ton centre d'intérêt qui veut et qui ne sera jamais satisfait, tous ces désirs que le monde te donne ne te satisferont jamais. Et elle appartient à un centre d'intérêt qui rêve d'une vie. Et cette vie n'existe pas. Alors toi, fais exister celle que tu aimes. Mais pas ce que tu aimerais avoir. Pas ce que le centre d'intérêt demande. Mais ce que tu es, sois ce que tu es.